Le Talurutyup Imanga est un habitat et un refuge pour presque toutes les espèces de l'Arctique de l'Est. Cette aire est utilisée par les Inuits depuis des temps immémoriaux en raison de sa riche biodiversité et de sa richesse faunique. En 2019, les Inuits et le Canada ont conclu une entente visant à établir l'aire marine nationale de conservation Talurutyup Imanga. Tous les partenaires ont convenu d'appuyer les activités de pêche et de chasse dans les 5 collectivités à proximité du Talurutyup Imanga. En vertu de l'article 16 de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits de l'aire marine nationale de conservation Talurutyup Imanga, ils ont convenu d'explorer les possibilités de pêche durable, d'écouter, d'apprendre et de comprendre l'écosystème marin, notamment les populations, la répartition et l'abondance des poissons, et d'appuyer les partenariats de collaboration. Le gouvernement du Canada et l'Association Inuit du Kikitani fourniront aux collectivités la possibilité d'établir des priorités pour les pêches, de partager le savoir et l'information et de connaître les mesures de soutien que proposent diverses organisations. La communication sera continue et les plans seront établis en concertation selon les priorités et les besoins des collectivités. Nous nous appuierons sur des projets antérieurs et des projets en cours, minimiserons le double emploi et nous collaborerons dans le cadre de nouvelles possibilités. En travaillant ensemble, nous aiderons à concrétiser les décennies de travail et la vision des leaders inuits qui ont milité en faveur de la protection du Talurutyup Imanga, tout en recherchant une économie de conservation durable pour les générations d'aujourd'hui et celles de demain.